8 dépenses qui appauvrissent les Africains de la diaspora. Dans cette vidéo, on va parler du coup d'enrichissement et de moyens pour toi du coup d'économiser de l'argent. Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes de la diaspora, de partout où j'ai voyagé. J'ai fait plus de 25 pays à date où j'ai voyagé et j'ai rencontré énormément d'Africains qui s'appauvrissent tous les jours, faute de connaissances et des fois à cause de certaines habitudes ancrées en elles-mêmes en fait. Donc dans cette vidéo, on va parler de ces dépenses-là que tu dois absolument éviter. Surtout en 2023 où tu souhaites peut-être aspirer à de grandes choses et avoir plus de résultats que les années précédentes. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais te partager, la dernière dépense peut littéralement te permettre de gagner énormément de revenus en 2023. On se retrouve dans mes bureaux chez Guantanamo Empire à Douala au Cameroun. Donc je suis là pour te tourner du contenu. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite d'immobilier, de finances personnelles, de développement personnel et également de mindset. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du coup des dépenses que la plupart des Africains de la diaspora font et qui les ralentissent malheureusement. Et dans cette vidéo, ces dépenses-là que tu fais très certainement, tu verras que ça te coûte énormément d'argent. Et cet argent, tu peux l'utiliser d'une autre manière en vue de te bâtir de nouvelles sources de revenus ou même un patrimoine assez conséquent. Alors la première dépense que je note, c'est tout simplement les paris sportifs. Les paris sportifs, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui dédient un budget extrêmement important sur les paris sportifs. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop sport. Je ne regarde pas trop le sport, à part les grands matchs, comme par exemple certains matchs de la Coupe du Monde, etc. Et ça peut m'arriver, ça m'arrive très rarement peut-être de parier, mais c'est, voilà, je peux parier avec des amis vraiment sur une discussion autour d'un verre. Voilà, on va peut-être parier un montant peu significatif. Il m'est arrivé de faire des paris sportifs lorsque j'étais en Angleterre où, si tu connais mon histoire, j'ai fait un an d'études en Angleterre où je n'avais pas le choix que de me créer de nouvelles sources de revenus. Donc, je me suis lancé dans les paris sportifs et je pariais sur des actions des joueurs. C'est-à-dire que ça va tirer à telle minute et faire un coup franc et ça va toucher à transversal. Bref, des trucs assez hasardeux et assez risqués où j'arrivais quand même à générer du 400 pounds à l'époque par mois pour couvrir mon loyer. Donc, j'avais juste pas le choix que de faire ça. Mais mis à part ça, moi je ne suis pas un très gros parieur, mais je note que beaucoup de personnes parient beaucoup d'argent. C'est-à-dire, même certains membres de ma famille dont je dirais le nom allouent énormément sur les paris sportifs. C'est pas qu'il ne faut pas parier, ça peut être un passe-temps. Moi je le vois plus comme tu peux parier par exemple si c'est un passe-temps, si c'est entre potes, si c'est voilà, à titre vraiment symbolique. Mais parier pour te dire que c'est ça qui va te rendre millionnaire ou parier pour te créer une nouvelle source de revenus par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Le problème de ça, c'est que ça devient une habitude, en fait, ça devient addictif. Et le pire, c'est quand tu gagnes, c'est que le plus tu vas gagner, le plus tu vas te dire que ah, j'ai de l'expérience dedans, donc je vais parier de fortes sommes. Je connais des couples qui ont mis, par exemple, l'équivalent de leur capital ou leur refinancement hypothécaire pour se lancer dans les paris et ils ont tout perdu. Donc, vraiment, les paris sportifs, c'est à éviter. Surtout, n'utilise pas de l'argent parce que ça met du temps à épargner. Ne mets que l'argent peut-être que tu es capable de perdre. Et même ça, je mets ça entre guillemets parce que c'est pas forcément une bonne stratégie. La deuxième dépense qui appauvrit les Africains de la diaspora, c'est tout simplement les casinos. C'est-à-dire les jeux d'argent, en fait. Voilà, le poker. On a un truc là à Montréal, ça s'appelle le casino de Montréal. Moi, j'appelle ça le cimetière derrière. C'est-à-dire que là, tu vas voir tous les vieux, tous les retraités. Et j'ai croisé beaucoup de personnes de la diaspora qui vont allouer des sommes importantes dans des jeux d'argent. Voilà, le poker, la roulette, etc. J'ai des amis à moi qui sont propriétaires de casinos, notamment en ligne. Mais c'est un business extrêmement juteux, c'est-à-dire j'ai des amis qui sont multimillionnaires de par les casinos en ligne. Et le problème du casino, c'est que c'est tellement addictif, un peu comme les paris sportifs. Bah, tu vas peut-être gagner 50 000 dollars et tu vas te dire que ah, comme j'ai gagné 50 000 dollars, je vais remettre le 50 000 dollars et tu vas partir de là avec moins 80 000 dollars. C'est-à-dire que tu repars avec 30 000 dollars de perte alors que tu avais gagné 50 000 dollars en amont. Tu vois. Donc les jeux de ligne, les jeux d'argent, honnêtement, c'est à bannir. C'est à bannir parce que c'est pas aussi simple de gagner de l'argent. C'est-à-dire c'est que quand je vois des fois des publicités à la télé, le loto, l'auto Québec ou l'auto tout court, bref, le TRC, tout ça, le PMU, toutes ces conneries-là, honnêtement, ne parie pas dedans. Utilise plutôt ton argent pour apprendre à gagner de l'argent. De manière générale, gagner de l'argent facilement, ça ne mène à rien. C'est impossible de gagner de l'argent aussi facilement en claquant des doigts, sinon tout le monde le ferait. Tu vois. Et même statistiquement, les sociétés ou les plateformes de paris sportifs ou de casinos, elles font beaucoup d'argent, mais elles font beaucoup d'argent sur la perte que les personnes font, en fait, que les particuliers font. Donc, si tu es un adepte des casinos, je t'invite vraiment à bannir ça de ta vie parce que crois-moi que tu vas perdre tout ton argent si tu continues à faire ça. Le troisième type de dépense qui appauvrit les Africains de la diaspora, malheureusement, c'est l'alcool. L'alcool, c'est-à-dire que l'alcool comprend un gros budget dans certains foyers et surtout les alcools d'une certaine gamme. Ok? Je te dis ça, moi également, je consomme de l'alcool. Il m'est arrivé, des fois, pas plus tard qu'il y a quelques jours, pour le nouvel an, voilà, j'ai dépensé une certaine somme
dans de l'alcool. Mais ce n'est pas de l'argent dont j'ai réellement besoin, c'est de l'argent issu de mes investissements. Donc, ce n'est pas de l'argent que j'ai travaillé. Donc, il m'arrive par exemple de payer l'équivalent de 500 000, voire même du 2 000 $ par soir. Voilà, parce que peut-être je suis avec mes amis, etc. Mais ce n'est pas de l'argent que je travaille, c'est de l'argent issu de mes investissements. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dépenser de l'argent dans l'alcool si c'est ce que tu aimes, mais fais-le lorsque tu auras les moyens de ne plus avoir besoin de travailler pour dépenser de l'argent dans l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi, ton kiff, par exemple, c'est des bouteilles de Runard, ben, fais un investissement, investis en immobilier de manière à ce que ça te rapporte l'équivalent de peut-être 200-300 $ ou 500 $ par mois pour que, au moins une fois par mois, tu puisses t'offrir une à deux bouteilles de Runard et boire ça au point où tu en tombes par terre si tu le souhaites. Mais n'investis pas ton argent lourdement travaillé que tu épargnes à tous les mois dans de l'alcool. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Et je vois beaucoup de personnes issues de la diaspora qui, quand elles arrivent ici en vacances, voilà, ces grosses bouteilles de champagne, Magnum, etc. De l'argent, des fois même qu'ils ont... Moi, j'ai eu à discuter avec des personnes de l'argent qu'ils ont économisé pendant 6 mois. 6 mois d'économie pour venir faire le show en boîte de nuit pour montrer que voilà, vous êtes capable de déposer je ne sais pas combien de bouteilles de champagne. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Je trouve ça tellement stupide de faire ce genre de choses que vraiment... Voilà, je préfère même me taire parce que si je dis vraiment ce que je pense que je veux faire beaucoup d'ennemis sur cette chaîne. La 4e dépense que les Africains de la diaspora ont, c'est tout simplement les vêtements. Et notamment les vêtements de marque. C'est-à-dire les gros t-shirts Dolce Gabbana, Louis Vuitton, etc. Les vrais riches ne portent pas ce genre de marque en fait. C'est-à-dire c'est que les vrais riches, quand je dis les vrais, c'est-à-dire les lourds, là, vous allez voir, ils s'habillent simplement. Regarde même par exemple Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, tu ne le verras jamais avec du Gucci. Tu verras les gros chefs d'entreprise, tu ne les verras jamais avec ces types de marques que tout le monde convoitise en fait. Pourquoi? Parce que moi, j'ai étudié un peu les milliardaires. Les milliardaires portent des marques que même nous, on ne connaît pas. C'est-à-dire, nous, on se dit, OK, c'est Hugo Boss, Louis Vuitton, Gucci, etc. Il y a certaines marques que, si je te donne le nom, tu vas te dire, mais c'est quelle marque là? Mais c'est des marques extrêmement chères portées par des milliardaires. Tu vois? Donc, mais c'est des marques même, pour, des fois, tu as certains articles, certains items qui valent beaucoup d'argent et qui prennent en valeur. OK? Donc, tu vas voir par exemple voir beaucoup de personnes issues de la diaspora qui vont dépenser énormément pour se payer des Louboutin, pour se payer des sacs Hermès, pour se payer des ceintures, des fois qui dépassent leur salaire. Donc, investir dans des marques de luxe lorsque tu es entre guillemets pauvre, ça ne va te mener nulle part en fait. Regarde par exemple moi. Moi aujourd'hui, tu vois, je mets très peu de marques de luxe. Tu vois, moi, j'aime plutôt même mettre mes propres marques. Donc là, je suis en train de développer ma propre marque. J'aime bien faire mes vêtements sur mesure. Après, voilà, je peux avoir une belle montre. Voilà, un petit collier, etc. C'est des accessoires. Mais en termes de vêtements, honnêtement, moi, je m'habille beaucoup chez Zara parce qu'ils font de très bons vêtements. H&M également. Et après, je vais avoir peut-être quelques articles de marques, mais voilà, ça se compte sur le bout des doigts. C'est-à-dire, c'est que je ne vais pas avoir une garde-robe remplie de marques de luxe parce que je sais que c'est des dépenses inutiles pour moi. Je préfère plutôt peut-être m'acheter une montre ou m'acheter peut-être un collier en or, mais je n'ai jamais allé m'acheter un t-shirt avec écrit Céline en gros, juste pour dire que je mets du Céline ou Balmain. Moi, c'est des trucs, tu vois, écrit en gros Balmain comme ça. Des fois, c'est des t-shirts à 500, 800 euros et que les gars vont acheter juste pour montrer qu'ils sont des personnes qui ne sont pas réellement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, clairement, les vêtements, vous devez bannir ça de vos dépenses et idem. Lorsque vous aurez des investissements qui vous rapportent de quoi vous payer un t-shirt Louis Vuitton tous les mois, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de l'argent durement travaillé que vous allez prendre pour vous acheter un t-shirt que vous pouvez cramer du jour au lendemain avec un briquet, je ne vois pas l'intérêt. Okay? La 5e dépense qui prend beaucoup d'argent aux Africains de la diaspora, c'est tout simplement le sexe et les femmes. C'est-à-dire avoir plusieurs femmes ou copines, ça te prend du temps, beaucoup de temps. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis à moi, c'est-à-dire ils vont tourner avec 4-5 filles en même temps. Ça prend énormément de temps. Même des fois, je leur dis, mais les gars, c'est-à-dire, où est-ce que vous trouvez, déjà qu'une femme, c'est compliqué, mais où est-ce que vous trouvez l'énergie et le temps pour gérer 5 femmes en même temps? C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Et ils sont fiers. Ils vont te dire que, ah ouais, moi, j'ai le temps, etc. Et ils sont fiers de ça. C'est-à-dire, ils sont fiers de perdre du temps et de perdre de l'argent parce que toutes ces femmes-là, il faut les entretenir. Et des fois, quand tu leur demandes ça, c'est à des. Honnêtement, on va se dire des choses concrètement. C'est à des fins sexuelles, en fait. C'est-à-dire, c'est que c'est juste pour du sexe. C'est juste pour du sexe. Donc, clairement, je ne vois pas l'intérêt de ça, en fait, d'entretenir plusieurs relations. Avec plusieurs femmes, ça te coûte énormément d'argent et ça te perd. Moi, c'est même pas tant l'argent, c'est surtout le temps. C'est-à-dire le temps de discuter avec chacune d'entre elles. Tu peux économiser tellement de temps à te développer et à gagner plus d'argent. Et crois-moi, une fois que tu as de l'argent, tu vas pas manquer de femmes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as de l'argent, je parle surtout au monsieur, une fois que tu as de l'argent, crois-moi que très belles femmes vont te convoiter et tu n'auras même pas besoin de courir derrière toutes ces femmes-là en fait. Derrière des femmes qui sont là juste pour ton argent parce que le peu que tu vas montrer que voilà, tu t'habilles du coup en marque de luxe, le peu que tu vas montrer que
tu mets des grosses bouteilles en boîte de nuit, tu vas avoir toutes les femmes qu'il ne faut pas avoir qui vont venir vers toi juste pour ton argent et tu vois, et qui vont te perdre énormément de temps et te pomper tout ce que tu as dans ta poche. Okay? Donc clairement, j'ai rien contre les femmes, je vous respecte, mais certains types de femmes ne permettent pas de croître. Okay? C'est, on va tout simplement dire clairement, c'est des michetos. Donc vraiment, et je sais que beaucoup d'Africains dans la diaspora, ils sont adeptes des michetonneuses, tout ça pour montrer que voilà, je marche avec tant de filles, etc. Et un certain ego après derrière ça, honnêtement, ça perd du temps. Concentre-toi à te développer, concentre-toi à acquérir de nouvelles compétences qui vont te permettre de gagner énormément d'argent. Et après, crois-moi, c'est toutes les femmes vont s'allonger devant toi lorsqu'elles verront que tu es vraiment un bonhomme. La sixième dépense qui coûte énormément d'argent aux Africains de la diaspora, c'est tout simplement les automobiles, c'est-à-dire les voitures, les grosses voitures. Et moi, par exemple, ce qui m'a frappé notamment au Canada, c'est que tu vas voir des personnes qui ont de grosses maisons et de très belles voitures, mais qui n'ont aucun actif à côté. Et comme le crédit est facile au Canada, tu vois, des fois, moi, j'ai déjà eu des personnes de mon entourage dont je connais la situation, mais tu les vois débarquer en Porsche, tu les vois débarquer en Mercedes, etc. Même moi, aujourd'hui, qui suis multimillionnaire, je n'ai pas de voiture. Pour te dire, je n'ai pas de voiture, ok? J'ai préféré acheter des voitures à mes parents, mais moi, personnellement, je n'ai pas de voiture. Je loue des voitures. Et tu sais comment je loue des voitures? Je loue des voitures grâce à mes investissements. Je loue des voitures grâce aux points que je génère à travers mes cartes de crédit. Ça, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et clairement, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai failli acheter une très belle voiture de luxe, mais je me suis dit, au final, et c'est un ami à moi qui m'avait dit, lui, il avait acheté une AMG à l'époque, une Mercedes AMG. Il m'avait dit, honnêtement, ça a été une connerie pour lui de faire ça parce qu'il a acheté cette voiture cash. Derrière, cette voiture a perdu en valeur. Et il s'est dit, au final, au bout de 2-3 mois, il s'est dit, la voiture, honnêtement, ça ne valait pas le coup de l'acheter en fait. Il aurait préféré même plutôt garder l'argent qu'il a pris pour acheter la Mercedes, l'investir dans un bien immobilier qui lui permette de générer des loyers qui vont lui permettre de louer de temps en temps de très belles voitures. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je fais, c'est que par exemple, j'ai envie de rouler. La dernière fois, j'avais loué 2 Cadillac. Voilà, ça m'a coûté peut-être 1 000 $, tu vois. Mais c'est plus de l'expérience que tu vas acheter. Posséder coûte cher, mais ça te coûte moins cher d'éprouver l'expérience, tu vois, de savourer le moment présent. C'est que moi aujourd'hui, si par exemple, j'ai envie de m'acheter une Rolls-Royce, je vais me dire, ok, je vais d'abord louer une Rolls-Royce déjà pour voir est-ce que c'est sûr la première fois je vais kiffer, la deuxième fois, peut-être je vais moins kiffer. La troisième fois, je vais me dire, bon, honnêtement, ça sert à rien de claquer peut-être 300-400 000 $ dans une voiture juste pour dire que tu as cette voiture-là. Pourquoi ne pas la louer de temps en temps pour vivre l'instant présent et savourer le moment, ok? Ou ce que je peux me dire, c'est de me dire, ok, j'aimerais m'acheter une voiture, une Rolls-Royce à 350 $ ou à 400 $. Quel est l'investissement qui va me permettre de générer ce montant? Ça peut être un achat-revente que je fais ou plusieurs achats-reventes que je fais. Je me dis, ok, peut-être l'achat-revente, les achats-reventes que je fais vont me générer peut-être 1 000 000 $. Je donne un exemple et peut-être je vais prendre 300 000 $ pour m'acheter cette voiture. Ou je peux me dire, ok, j'ai généré 1 000 000 $ en faisant des achats en vente ou en refinançant des propriétés, ok, et je vais prendre peut-être ce 1 000 000 $ là, l'investir cash dans un immeuble qui va me peut-être me générer 10 000 $ par mois. Et avec ces 10 000 $ par mois, je peux louer n'importe quelle voiture, je peux louer une Lamborghini, je peux louer une Rolls-Royce, je peux louer un Range Rover, je peux louer un G-Wagon, quelconque voiture, et avoir le choix de l'échanger dès que je suis lassé en fait. Et c'est un peu à ce modèle que j'aspire, de me dire, ok, que de m'acheter une voiture de luxe, je vais plutôt faire un gros investissement me permettant de générer tant de loyers par mois. Comme ça, ok, première année, je peux être en Rolls-Royce. Deuxième année, je peux être en Lamborghini. Troisième année, je peux être en G-Wagon. Dès que voilà, je me lasse de la voiture, je la change et je la remplace par une autre. Mais je n'aurais pas payé pour payer ces voitures-là. J'aurais loué ces voitures-là grâce à mes investissements. La septième dépense qui prend énormément d'argent aux Africains de la diaspora, c'est tout simplement les églises. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'églises éveillées, notamment au Canada. Et je vois beaucoup de personnes qui lâchent des sommes astronomiques. Je suis croyant, ok? Mais à un moment donné, il ne faut pas abuser. C'est-à-dire, c'est pas en... J'ai eu à discuter avec des personnes qui se disent, ok, si je donne à l'église, je vais recevoir plus. Non, c'est faux. Pour recevoir plus, tu dois apprendre à gagner plus afin de recevoir plus. Donc, arrêtez d'aller lâcher des 10% de vos salaires tous les ans. J'ai vu des contrats entre des particuliers et certaines églises dont je dirais le nom qui demandent que les membres de l'église paient 10% de leur salaire à tous les ans, sinon ils vont avoir je ne sais quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Et je peux vous le dire, les églises également, c'est des business. Hein. C'est des business. Ceux qui gèrent ces églises-là, c'est des très très grands marketeurs. C'est des très très grands businessmen. Regardez juste les voitures dans lesquelles ces personnes roulent. Je n'ai rien contre eux. Et certains même, je les admire parce que je me dis, les gars, vous êtes quand même très forts. Très très fort. C'est des très grands marketeurs, c'est des très bons communicateurs et c'est des très bons gestionnaires pour certains. Parce qu'il y en a certains également qui partent dans la dérive en claquant tout leur argent. Et il y en a certains qui font de bonnes choses avec. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aide-toi d'abord avant de vouloir aider les autres. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont. C'est même la même chose pour les dons. C'est-à-dire que quelqu'un va faire des dons, vous allez faire des dons à des associations, alors que peut-être vous-même vous êtes en difficulté. Okay? Et Grant Cardone le dit bien, il le dit dans ses vidéos. Grant Cardone, qui est un très grand entrepreneur milliardaire.
va te dire, ok, avant de vouloir aider la terre entière, aide-toi d'abord. Donc tu dois d'abord être égoïste avec toi-même avant de vouloir sauver tout le monde en fait. Donc je n'ai rien contre l'église, moi-même je suis croyant, mais quand je vois certaines personnes se mettre à nu chaque année pour dire que voilà, je vais donner tant à l'église parce que je veux recevoir des onctions divines, à un moment donné, il faut arrêter. Aide-toi d'abord, va apprendre à gagner plus d'argent. Après, si au bout d'un an, tu génères, je donne un exemple, tu génères peut-être 3 000 $ de loyer par mois, ça te fait 36 000 $ de loyer l'année, on va dire de loyer net. Hein. Si tu prends 10 000 $, tu donnes à ton église, tant mieux. Tu vois, mais tu n'auras pas à travailler pour cet argent. Même moi, j'ai eu à faire des dons, même moi, des fois, je vais à la messe et je donne, ça m'est arrivé de donner de fortes sommes, mais ce n'est pas de l'argent que j'ai travaillé. Donc, je n'ai aucun mal à, aujourd'hui prendre 2 000 $ et donner et jeter à l'église comme ça. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas travaillé pour cet argent-là. Et j'aurais également commis, même si c'est un don, j'aurais également commis un très bon acte. Donc, clairement, aide-toi d'abord avant de vouloir aider les autres. En étant toi-même plus compétent, en étant capable de générer plus d'argent, que tu vas pouvoir faire des dons et des dons et des dons et des dons comme tu veux. Clairement, donc, avant de vouloir aller donner 10%, 20% de votre salaire, dans certains cas, allez d'abord chercher des connaissances. On en arrive du coup au dernier point, qui est l'éducation. Énormément d'Africains de la diaspora sont surdiplômés. Moi, le premier. Si je te cite mes diplômes, je peux te citer mes diplômes. J'ai un bac plus 4 de l'école supérieure de commerce de Montpellier, en commerce international. À côté de ça, en parallèle, j'ai fait une licence en management et technologie de l'information à l'Institut des administrations d'entreprises de Montpellier, IAE de Montpellier. À côté de ça, j'ai un bachelor en business de l'université de Hull en Angleterre. Okay? Suite à ça, j'ai fait un master en conseil et système d'information à l'université Paris-Dauphine. Et après, je n'ai pas passé mon diplôme d'expertise comptable, j'ai entamé mon diplôme d'expertise comptable en vue de devenir commissaire au compte. J'ai perdu mon titre là récemment parce que tu restes commissaire au compte pendant, je crois, 4 ans. Donc, j'ai perdu mon titre de commissaire au compte. Avant, c'était moi qui pouvais signer pour certifier les comptes. Et à parallèle de ça, j'ai fait un certificat à HEC Paris. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais des fois, on va se dire, ok, plus tu es diplômé, plus tu vas avoir d'argent. Donc, tu vas avoir des masters, des doctorats, des ceci, des cela. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Et je vais partir du principe qui est le suivant. Moi qui ai fait plusieurs écoles de commerce, l'école de commerce ne t'apprend pas à devenir riche. Une école d'ingénieur ne t'apprend pas à devenir riche. Les écoles de commerce et les universités, les facs, t'apprennent à être salarié. Tu vas avoir des Master of Business Administration, ok? Des Master en entrepreneuriat. En fait, ça me fait parce que je me dis, pourquoi faire un Master en entrepreneuriat? Si tu fais un Master en entrepreneuriat, c'est pour apprendre à être entrepreneur, on est d'accord? Mais le prof qui t'enseigne dans le Master en entrepreneuriat, lui-même n'a même pas d'entreprise. Tu vas aller où avec ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est que à un moment donné, il faut aller chercher l'information dont tu as besoin auprès des personnes qui ont l'expérience. Il y a un livre que je te recommande, ça s'appelle Le Personal MBA de Josh Kaufman, si je me rappelle bien. Si je me trompe, tu me corrigeras. Mais c'est Le Personal MBA. Il est également disponible en français. Va lire ce livre-là et tu n'auras pas besoin d'aller payer des écoles de commerce à je ne sais combien. Moi, j'ai payé des écoles de commerce à des sommes astronomiques. Oui, ça m'a apporté quand même un certain réseau, etc. Et même ça, c'est relatif. Mais honnêtement, en termes de connaissances, c'est-à-dire j'ai plus appris, par exemple, sur du contenu YouTube de certains entrepreneurs que toutes ces années d'école de commerce. Et je vais en venir par rapport à ça, c'est que beaucoup d'Africains de la diaspora vont se dire « Ok, il me faut les diplômes, il me faut les titres. » Ok. Dernièrement, j'étais à une soirée, par exemple, sur un dollar où c'était marrant parce que les personnes se présentaient de par leur fonction, leur diplôme ou leur titre. Ok, tel, il est docteur en temps. Il a travaillé à tel endroit. Tel est ingénieur. Tel est expert comptable. Tel est ceci, tel a tel diplôme, tel est un master en temps. Voilà comment les personnes se présentaient. Donc moi, je suis là comme ça. Et on est venu vraiment me disant, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah, je suis diplômé en débrouillardise. J'ai un master en débrouillardise. C'est-à-dire que moi, je suis un gars du terrain. Je ne suis pas là pour parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'aime les résultats concrets. Et je dis ça pourquoi? Parce que lorsque je suis même arrivé au Québec, moi également, j'étais dans cette situation. Et ça, c'est un trait spécifique aux Africains de la diaspora, c'est-à-dire que tu arrives dans un endroit et tu vas commencer à étaler ton CV, ton parcours, etc. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite lorsque je suis arrivé au Québec. J'ai rejoint une soirée d'entrepreneurs. On fait le tour de table. Et quand on arrive vers moi, on me demande, monsieur, vous faites quoi? Je dis, ok, ben voilà, j'ai été diplômé de Paris-Dauphine, École supérieure de commerce de Montpellier, KPMG, Deloitte, etc. Ok, déjà, on ne connaît pas ces écoles-là, premièrement. On ne sait même pas ce que c'est. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, monsieur? C'est ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire c'est qu'on m'a demandé qu'est-ce que tu as réalisé, c'est-à-dire on s'en fout des diplômes. Et je peux te dire que j'étais le plus diplômé de ce cercle-là et le plus pauvre. Le plus diplômé et le plus pauvre. C'est pour te dire que les diplômes ne servent à rien, si ce n'est que pour peut-être te créer un réseau. Après, ça dépend bien évidemment des domaines, tu vois. Peut-être pour être médecin, tu es obligé d'avoir un diplôme pour être médecin, pour être ingénieur, etc. Donc, certains métiers vraiment spécifiques. Mais je te parle en termes de business. Quand je dis business, c'est-à-dire investissement, business, finance, etc.
honnêtement, les diplômes ne servent à rien. Si tu veux apprendre, va chercher les connaissances auprès de quelqu'un qui a vécu et qui est passé par le chemin que tu es en train de te frayer. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si tu souhaites apprendre à te générer du patrimoine, avoir accès à des liquidités pour les investir par la suite, quoi de mieux que d'apprendre de quelqu'un qui l'a déjà fait? Ça peut être moi, ça peut être un autre. J'ai beaucoup de confrères également sur Internet qui font la même chose que moi. Mais au moins, va chercher les connaissances. Si tu veux aller plus loin avec nous, avec moi, on organise des événements. On a créé un mouvement qui s'appelle Anti-Récession. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre le plus grand transfert de richesse que l'histoire n'ait jamais connu. Donc, c'est le moment pour toi de tirer ton épingle du jeu. On organise des événements, on t'apprend comment aller débloquer l'équivalent de 50, 100, 200, voire du 300 dollars dans certains cas, que tu vas pouvoir déployer par la suite dans tes projets d'investissement. Ça peut être dans l'immobilier, qui est mon cœur de métier, ou ça peut être même dans ton business ou dans toute autre chose. Mais au moins d'avoir accès à la liquidité. Même à titre personnel, demain, si tu arrives quoi que ce soit, le fait d'avoir accès à des liquidités peut te permettre de sauver la vie de quelqu'un. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu regardes dans le lien juste en dessous. On organise des bootcamps, des défis relatifs au financement créatif et également relatifs à l'immobilier. Si tu as aimé cette vidéo, tu laisses un commentaire juste en dessous. Tu la partages surtout à quelqu'un de la diaspora ou à toute autre personne qui souhaite entreprendre et investir afin de pouvoir tirer profit de la situation. Car crois-moi, il y aura énormément d'opportunités à saisir. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.